Bonsoir mes amis, salam alaikum. Nous, nous sommes le 20 octobre 2022. Et, en grosse page, en première page, plusieurs détenus politiques sortent de prison. Plusieurs détenus politiques sortent de prison. On bat, en grosses lettres, des libérations et de l'espoir. Alors, en particulier, il appelle de ma part des remarques. Bon, c'est pas la peine. Les manœuvres de la loi. C'est pas la peine. Attends, plusieurs fois, enfin, comme quel genre de journal c'est, ou qui fait jouer l'itber, ou à la fidélité de la couleur qui m'a dit, parce que je suis bien au Kharaj. Mais, qu'il y a déjà qui a attiré mon attention, Lula qui a attiré mon attention, c'est que il y a plusieurs détenus politiques sont de prison. Et d'ailleurs, il met en cause la Hadrat al-Rais, Abdelmajid Tebboune. Je mets ça sur la table du président. Président gay, plusieurs fois, quand il va accorder des entretiens à des journalistes algériens, hein, il n'y a pas de détenus politiques en Algérie. Gay, il y a des détenus qui ont enfreint la loi, les lois, c'est la diffamation et l'injure. Président Tebboune, premier magistrat du pays, il connaît lesquels sont détenus politiques. Adjournalada, il connaît plusieurs détenus politiques sortent de prison. Alors, là, il y a un message. Est-ce qu'il y a un pour épingler à ce journal. Des libérations. Et de l'espoir. Des libérations, ça veut dire ils ne font pas confiance à la justice. Je ne sais pas la justice. De temps en temps. Parce que quand il faut confiance à l'Adrien Jézaïdia, mais il y a la formulation à l'Adrien. On sait lire le français, on comprend les nuances. Des libérations. C'est la justice, c'est les verdicts de la justice qui ont permis. C'est pas de libération. C'est de l'espoir. Quel espoir? Bon, pour que vous l'ayez une libération. Et bien, comme Khadjou, je vais vous appeler à c'est comme si c'était des héros. Genre le Moudjahdine. Ou Khadjoum le Habs à le colonialisme. Mais c'est moi là-bas, Daham, le Hassan. Ou si il goûte l'ouad. L'ouad il goûte, l'hamdoulilah. Qui Khadjina, c'est pas vrai, hein? L'hamdoulilah. Que nous sommes sortis indemnes. Dans quelle prison dans l'Amérique du Sud, à Bekri, où une nes, il monte sur la base, il jette la matière à la
Gadimidir ou le jeu politique, mais politique, des jeux politiques. Alhamdoulilah, qui résina indemne. Et de l'espoir, je veux l'espoir. Je veux l'espoir, ma nest qui m'a dit. Donc, à Menada, Charlie, il y a Aldo, il y a sur ma scène, où il dit des déclarations, où il sent, où il diffame, où il dit au centre de l'Hakm Jazaïri, avec simplement des slogans creux. Parce que l'État algérien maintenant, il est reconnu dans le monde. Il est reconnu, il est membre du Conseil des droits de l'homme d'Alon. L'ONU, 170 pays ont voté pour que l'Algérie soit membre du Conseil des droits de l'homme. Cela veut dire qu'il n'y a pas d'atteinte aux droits de l'homme en Algérie. C'est fini. Psaroma, Gadini Tempo, Wandom une cause. Parce que, malheureusement, Mahal Banaya, je ne suis pas. Je ne suis ni raciste, ni je suis contre mes Kabyles. Mais il est malheureux de le dire. Mais quand même, il va faire l'échec. Dès le même combat, les Tempa. M'a tout le courage de dire nous sommes pour le thèse d'Almac, madame. Donc, ils font le travail, les Hab Farhat Mahmé, non, Algérie, ils le font. C'est-à-dire fissurer la nation algérienne, attaquer le pouvoir algérien par tous les moyens et surtout par la cause. T'as les droits de l'homme, t'as le séparatisme kabyle. Comme combat. Ils sont dépassés. L'Algérie a 62 ans d'indépendance. Elle a fait Samu, Tbidler, en avance, on va les mettre dans une guerre du Moyen-Âge. L'État algérien attend gars les droits d'âme, gars les revendications d'âme à parole contre une partie du peuple algérien. Voilà donc mon salat, ma d'achle, l'Algérie, t'as pas fait l'école, il y a des gens, dans le bled, dans le djazer, ma bouche, il y a des gens qui ont fait l'Algérie. Ou lire dans l'Algérie, ou lire dans l'Algérie, il est passible. Par les tribunaux. Où il y a un tableau, t'as dans la. Mais ça, à laquelle il y a un tableau. Zé, de l'espoir. On a des exemples, plein de paroles. Mais qu'elle offre à Yarak. Haka, Ayak, Gala Mokhodjou. Khadjou, où les gourous, non, notre qui nationalise. C'est la peur, Khaïfil maintenant. C'est pas la peine de citer les mandats. Marofil, Kentabou, Boumada, Fethi Kharras, Nekaz avec le Mahmoud. Où je mets l'espoir? C'est des gens, les Andons, une mission. Mais Andons, une mission, les Jmar, à faire mon lire. Ils ont trouvé, on la cause Kabyle, une Asia pour s'attaquer au pouvoir algérien. Et comme beaucoup de pays, ça les intéresse qu'il y ait l'Algérie des troubles ou l'instabilité dans le séparatisme, donc Roma ça les arrange. Ils bénéficient, Mahdi Imam, Fatah, de beaucoup d'avantages. Au Gano, les officiels, mais j'en ai là. Les officiers français, plusieurs officiers français, de la gauche comme de la droite, comme de l'extrême droite, à nous, les Kabyles s'intègrent mieux en France.
Smato, des députés de l'Assemblée française et des officiers avec la Kabayel, ils s'intègrent mieux dans la société française. Papas, entre papas, c'est. Et c'est vrai, Hadi Cédric, ils ont raison. La Kabayel, en France, ce sont presque des Français. Dans le cœur, et dans l'âme, et dans les habitudes. La biche, là on s'en fout, qu'ils soient Français ou la chrétienne, là, non, la neige, là. Mais la boule neige, le bled, on mettait le proche Khabi, qui m'a dit, par Hadmani, il a clic, t'as mis sous là, t'as pas. Oui, on met la bounesse bleu bleu en utilisant la fibre régionaliste. T'as qu'bel, t'as là. Il y a beaucoup de hommes, il y a beaucoup la langue de hommes, il y a beaucoup les us et coutumes de hommes. Ou, ils sont en danger en Algérie. Nous, les us et coutumes de hommes ou de taqalid de hommes. Il y a un mot fermé. Donc, ils adhèrent. Mais tant que la Kabayel tient à leur origine, à leurs histoires, à leurs coutumes, alors je les salue. Parce que je les salue parce qu'ils maintiennent l'histoire de Hamad dans le Had. Hadar de Hamad, Hamad de Hamad. C'est un magique que je vois de Messon, que je vois de Darabian. Les Algériens respectent la Kabayel, ou Mzoujin Mahmadahom, ou Yorogur Mahdahom. Et on a vu, plusieurs fois, j'ai vu des femmes Kabyles, ils me chauffent dans le poste, mais je suis là, avant, ils me chivent, les robes Kabyles, ils me chivent, ils me chivent, ils me chivent, ils me chivent, ils leur ont manqué de respect. Parce que ma femme, c'est des Algériens qui m'aident, ou sinon, ils tiennent à leur coutume, les us et coutumes. Mais, je vais à la Kabayel, je vais dire que le politique. C'est une cause qui rapporte de l'argent. Le Maroc, il donne, Israël, il donne, France, elle leur donne les visas, elle leur accorde les résidences. Les mariages entre les Mizoujou à blanc, pour que ça soit une épine dans le corps de l'Algérie. Haka, une épine, laisse-la. Il y a le corps, maintenir la pression. Président de la République, il coule, il n'y a pas de détenu politique, où il s'inscrit. Il ne sait quoi, pas, c'est le président de la République. Il y a un peu de temps, il fait la politique, il critique l'État de façon respectueuse, de l'abs. Sauf un homme, des sous-entendus, où il joue à la cause d'Almac. Mais ça, il ne l'avoue pas. Au moment, la branche, chef d'armée Kabir, il y a Abdoufir. Un bel homme, il croit à Billy. Un bel homme, il a géni, il dit qu'il va séparer le peuple algérien. Mais la belle ange, ils ne connaissent pas les Algériens. Ils ne connaissent pas l'armée algérienne. Un bel ange, bled qui m'a dit mettre la chouada, il dit Farhat Mahni, un escroc, un soulard, alors il vient d'être condamné à 20 ans. C'est bien fait pour sa gueule. Un chien, il dit il ressemble le bled. On veut l'indépendance de la Kabylie,
C'est incroyable. Mais t'as moi, j'ai... Mais la nature de l'ingénieur. Elle dit, c'est ça qui va les faire perdre. L'ingénieur. L'ingénieur, il te rappelle... Il dit, on va éclater l'Algérie. Ceux qui pensent et ceux qui dirigent, tu feras à toi. Voilà ce qu'ils veulent faire. Éclater l'Algérie en 6 ou 7, voire 8 pays. Tous les 8 pays. On bat de la boule à bande. Mais, l'Algérie, l'armée nationale populaire, l'ALN, l'armée de libération nationale, l'ALN, composée de tous les Algériens, y compris des chefs rebelles, ont libéré l'Algérie avec la quatrième puissance mondiale de l'époque, France, Kharja. Et aujourd'hui, avec une armée qui m'a l'air de l'Ahna, il dit par Admani, n'a-t-il pas le Khabayer, mais si, c'est une question de principe. Va pas diviser un peuple, diviser Charles, ou le second fait Anglais, faire demi-tâchon à ta. Maintenant, il faut être un sioniste, un traître, un kill. Donc, voilà ce que je voulais dire. Voilà, à la délibération. Alors, je ne mets pas en cause de la justice. Si la justice a décidé de toi, elle est libre. Elle est libre. Maintenant, la présidente de la République, elle est libre. Si c'est, si c'est une libération de la justice, si ce n'est pas politique, mais le tactique, si c'est malheureux, لكن دي تاكتاسيون باش ينطلقوا هاد الناس حنايا اللي من بعد يتنفخوا ويوليو يديروا علينا شرح. السلام عليكم.